Bienvenue dans MK2 Curiosity. Installez-vous confortablement, servez-vous quelque chose à boire, détendez-vous et surtout laissez-vous porter par ces 5 films que nous vous proposons. Mais avant que vous fassiez votre propre voyage, laissez-moi vous glisser quelques curiosités sur ces Curiosity. Rien du tout, c'est le premier long-métrage de Cédric Lapiche. Dès ses débuts, il n'hésite pas à écorcher notre société de consommation. Une formidable galerie de personnages, un humour corrosif et un Fabrice Luchini génial, en patron zélé, qui plutôt qu'au Père Noël croit très fort au facteur humain. Ok. Les techniques de management n'auront plus de secret pour vous. C'est l'osmose, hein ? Tais-toi, tais-toi. Caresse-moi le visage avec tes mains. Attends, oh. Attends. J'attends. Ni avec toi, ni sans toi. La belle amitié entre Fanny Ardant et Gérard Depardieu a commencé à Grenoble il y a presque 40 ans, sur le tournage du chef-d'œuvre et avant-dernier film de François Truffaut, La femme d'à côté. Mais saviez-vous que ce dernier décida d'écrire le scénario après les avoir vus côte à côte à la cérémonie des Césars de 1981 ? Délectez-vous donc de ce moment de complicité entre ces deux monstres sacrés du cinéma français. Le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... Voilà, j'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon. Laissons maintenant la parole à des femmes, et pas n'importe lesquelles. 24 femmes noires que la réalisatrice Amandine Guay regarde droit dans les yeux. Des citoyennes engagées, qui parlent d'identité, de racisme, de préjugés. Mais sans misérabilisme ni paternalisme. Un film drôle et sensible qui s'est construit grâce à un financement participatif. Écoutez-les et laissez leur voix vous ouvrir la voie. Un film avec que des noirs, c'est du communautarisme. Des blancs qui enfin, alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film. Derrière Charlie Chaplin, il y a eu Sidney. Toujours. De 4 ans son aîné, il n'était pas seulement le frère de Charles, il était aussi son protecteur, son ami, qui se dédia à sa carrière de génie dès 1918. Sidney, l'autre Chaplin, est un documentaire émouvant, signé de nos anges gardiens du cinéma Serge Brongberg et Éric Lange. Laissez-vous transporter par le destin fantastique de cet homme fantasque. D'un côté, Aida Gomez, le feu de la danse. De l'autre, Carlos Saura, l'œil et la passion du réalisateur. Entre les deux, Salomé, l'ultime drame biblique. Une équation explosive pour cette vidéo danse au genre particulier filmée en 35 mm. Le résultat, des images d'une beauté saisissante. Je vous laisse avec ces danseurs magnifiques. Et qu'on me rapporte leur tête sur un plateau d'argent. Vous qui êtes assis là, confortablement, coupez-vous un instant du monde et de son tumulte. Faites que ce temps soit à vous. Quelle chance vous avez. Bon voyage.